Si vous faisiez une chute par-dessus bord, seriez-vous en mesure de remonter dans votre bateau? Selon la loi, si la hauteur verticale à franchir pour rembarquer à bord à partir de l'eau, soit la hauteur du franc-bord, est supérieure à 50 cm, vous devez avoir un dispositif de remontée à bord. Mais quelle que soit cette hauteur, il est important que vous puissiez remonter dans votre bateau, surtout quand l'eau est froide et que peu de gens sont sur l'eau pour vous aider en début et en fin de saison. Il existe divers types de dispositifs de remontée à bord. Vous devez choisir celui qui convient le mieux à votre embarcation et vous assurer que vous pouvez y accéder si vous êtes dans l'eau. Pour certains, ce pourrait être un simple cordage. Il devrait être fixé solidement au bateau, idéalement à l'arrière. Faites une boucle à l'extrémité qui va dans l'eau pour pouvoir y glisser un pied et faciliter la remontée à bord. Quel que soit votre dispositif, prenez la peine d'en faire l'essai pour vous assurer qu'il soit fonctionnel en cas de besoin réel.